Bonjour tout le monde, c'est Thier, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, oui, sur le zoo communautaire. Et pour placer notre premier enclos avec deux animaux dedans. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont répondu à l'appel sur le Discord. Je suis très très content. J'ai deux enclos à l'heure actuelle. Je vais en poser un seul pour l'instant. Le prochain, ce sera pour une prochaine vidéo. Il y aura de la décoration à faire. On me fait de la décoration. Les gens commencent à se motiver et ça me fait énormément plaisir. Du coup, la dernière fois, on avait mis ce petit aquarium. Il faudra qu'on fasse des poissons ensemble. Ça peut être sympa. Ici, on m'a dit, ouais, ça aurait été dommage. Enfin, c'est dommage, j'aurais dû mettre de la végétation. Mais c'est parce que je vais faire une jardinière. Une belle jardinière ici. Ça va faire tout joli. Et donc, du coup, on va voir ensemble l'enclos qu'on m'a réservé. Qui coûte 85 000, heureusement qu'on n'est pas en machin quoi. Et donc l'enclos c'est celui-là. Et comme ça il a l'air magnifique. Alors attendez. Ah oui ok. Ça c'est. Ah oui c'est. Oh oui ok. Oh je vais avoir du boulot. Je crois que je vais avoir du boulot. Alors on va essayer de bien le mettre correctement. Hop, comme ça. Et on va prendre un repère sur les... Oh, c'est magnifique. Rien que comme ça. Je reprends repère par rapport aux cailloux et aux plantes. Voilà. Alors attendez, je sais pas si ça a été validé ou pas. Parce que ça lag. Peut-être le mettre comme ça plutôt. Voilà. Donc grosso modo, je vais voir si je peux le faire maintenant après tout. Road. On va rester sur ça. Sur une largeur de 7. 7 ou 8. Ça m'a l'air d'être du 8 ans. Ça m'a l'air d'être 8. Alors. Faudrait qu'on parte d'un endroit. Voilà, comme ça. Et donc. Non, non, non. Non, vaut mieux que je commence directement. Il a mis les bancs, merci. Il a mis aussi un level pour la route. Merci, c'est très gentil. Ça m'aide beaucoup. Donc on va faire un truc comme ça. On va l'aligner sur la grille là. Pas en carré. Alors comment je peux faire ça? Attendez, je réfléchis. Parce que techniquement, il faut que ça touche à gauche et à droite. Donc pour moi, c'est du 8. C'est comme ça, ok. Comme ça. Alors attendez, hein, je vérifie des trucs. Ok, je crois comprendre comment il a fait, mais je ferai ça en off. Parce que c'est vraiment... ça va être très dur à le mettre. Oh là là. Donc il y a deux espaces. Ok, là il y a de la terre, faudra pas cacher la terre, ok. Et voyons, oh l'enclos est très très beau. L'enclos est magnifique. C'est très réaliste. Les. Oh là 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 là. Ah, c'est très bien les petits détails, bravo. Oh là là, regardez ça là. Il y a des. Les poutres et tout, il y a des petites poutres. Oh, c'est très beau. Il a dû prendre. Attendez.
Ah ouais, il a dû prendre un temps fou pour faire ça. Oh la vache. Ah non, c'est magnifique. L'enclos. Ah, et il a mis les protections pour les arbres, c'est très bien. Ah, mais c'est magnifique. Et là, on a un petit coin de pour s'hydrater. Et il y a même pour faire renouveler l'eau, quoi, pour vider le bassin. Le bâtiment est très très propre. Parfait. Parfait, un centre de soigneurs là, parfait. Et là, on a quoi? Ah, j'arrive pas à voir. Mais, ah, il y a même les autocollants. Bravo, 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 bravo. J'adore, 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 j'adore. J'adore. La petite bassine, là. Il y a plein de détails, j'adore ça. Donc, c'est pour les oryx sale gazelle, si je dis pas de bêtises. Et puis, un autre animal dont j'ai oublié le nom. Mais on le fera. Attendez, ça, on va le supprimer. Modifier la clôture. Parce que. Voilà. Comme ça, moi, je vais refaire l'enclos. Enfin, pas le refaire, hein, juste poser les trucs invisibles, hein, en off. Je ferai ça en off. Et je mettrai la route aussi en off. Et ainsi que les premiers animaux. Non, les premiers animaux. Je vais le faire avec vous. Il faut juste que je vois comment mettre aussi le staff là. Il faut que ça rejoigne la route du staff. Mais je suis trop content. Et premier enclos, il est là. Ici, on va s'arranger pour faire de la déco. On pourrait même faire un petit enclos par là. Si quelqu'un est motivé, qui regarde la vidéo du Discord, un petit enclos par là, ce serait pas trop mal. Et puis, j'ai d'autres enclos. Hein. J'ai un autre enclos à mettre. Et je crois qu'il y en a un autre qui est en train de se faire. Et d'autres du shop et tout ça. Mais vraiment très très beau. Alors moi je suis fan. Non, c'est pas là. Faudrait que je lui demande la hauteur de ces escaliers. Parce que là, je pense que c'est un escalier qu'il y a là. Et ensuite. C'est peut-être du 7 hein, en fait. Hein. C'est peut-être du 7. Mais ça me paraît très bizarre. Ah, je vais lui demander. Je vais lui demander pour savoir comment il a fait. Et ça sera beaucoup plus simple. Là, il y a une autre sortie. Ça va être parfait. La sortie là, ça sera pour celle-là. Là. Ah ouais, nickel. Nickel. En tout cas, c'est magnifique. Il s'est donné beaucoup de peine, enfin beaucoup de mal. Regardez, il y a criage et tout, c'est parfait. Ah, le petit chat. Ah, c'est un petit. Je croyais que c'est un truc tout fait, mais non. Il a fait la technique des dômes, c'est très bien. Et oh, l'enclos est magnifique. Allez, c'est hop, ma miniature. C'est magnifique. En tout cas, bah moi je suis très très content, j'adore ça. C'est trop plaisant. En plus, on a visité son zoo. Si vous vous souvenez pas, donc l'enclos, ça a été fait par Red Pixel. Mais d'ailleurs, je pense que je vais, pour honorer les gens, je vais mettre des petites pancartes. Genre par exemple, rue de la personne qui a fait ça. Rue de la personne qui a fait ça, enclos de la personne qui a fait ça, etc., etc. Et du coup, on avait déjà visité son zoo. Que je ne dise pas de bêtises.
Ah, c'est les OXL Gazelle et Springbok. Et son zoo. Attendez, 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 attendez. Je me souviens de son zoo. Le Bowie Animal Rescue Center. D'ailleurs, il y a une V2 qui est sortie, qu'il faudra que je regarde pour voir la différence avec le V1, au cas où que je dois le présenter. Mais cherchez sur ma chaîne le Bowie Animal Rescue Center. Et c'était un enclos avec, je sais pas si vous vous souvenez, des lynx. Ça m'avait trop choqué et j'ai trouvé ça génial. Il y avait des petits couloirs en hauteur pour que les mâles et les femelles se rencontrent. Parce que j'ai oublié pourquoi d'ailleurs. Mais il était magnifique. Allez le voir, vous allez voir. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit commentaire, un like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.